Salut à tous! Bon, j'ai bien l'impression que notre ami euh, euh, Monsieur Messire Poncé n'a pas lancé son Twitch aujourd'hui. Je pense qu'il il a dû prolonger son, son superbe week-end, j'imagine. Il a bien fait. Et j'avoue que du coup, euh, ça me sert d'alerte à, à ma propre émission pour ne pas oublier. C'est pas beau. Hein. J'étais occupé, c'était pour la bonne cause. Je vais vous en parler tout de suite. Bon d'ailleurs, je peux commencer d'ailleurs par ça. Euh... Où sont tous ces trucs-là Non, c'est pas celui-là, évidemment. Qu'est-ce que j'en ai fait bon, c'est pas très grave. Vous allez bien donc j'ai relancé, euh, j'en ai parlé sur le Discord. Hop. Euh, on m'a signalé d'ailleurs qu'il y avait eu un problème euh, la semaine dernière. Mon lien pour l'invitation sur notre Discord de, de la petite communauté calme. Avait expiré. Je pensais l'avoir laissé en... sans expiration, mais ça n'était pas le cas. Donc normalement celui-ci est bon. Euh, si jamais il y a un souci, euh, pingez-moi sur... Euh, sur Twitter hein, @titimovie en avant euh, donc hop, que je clique un peu sur tout ce qui marche le, 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 la saison n'est pas favorable à mon brave petit mac hein. euh, il commence à faire chaud dans les sous pentes je vais je souffre pas personnellement donc je vais pas mettre en route la clim inutilement hein, on va pas finir de manger ce qui reste de la planète au trop-hit. Mais du coup, lui, il a tendance à chauffer. J'ai commencé l'émission, il était déjà à 80 degrés, il a beaucoup bossé ce matin. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que euh, ce, ce lien pour le Discord, vous pouvez venir en parler. Et j'avais dit que j'essayais de, de me remotiver un peu sur plein de side-projects. Et euh, ce qui va faire, je pense, une bonne partie de l'émission, c'est que j'ai reçu un appareil dont je vais vous parler et je devais lancer des projets autour de tout ce qui était l'aura. Grâce à, grâce à l'impulsion de monsieur Kangduino. Et euh, parmi tous les. Alors j'ai un petit problème d'adaptateur à l'arrivée euh, pour utiliser le, la puce Rack Wireless que j'ai. Et euh, c'est pas très grave parce que j'ai commandé d'abord un, un adaptateur FT232 pour relier en USB pour pouvoir communiquer avec ce genre de, ce genre de carte. Mais j'avais toujours. Rappelez-vous. Hop, hop, hop. Ma petite Bastone, j'en ai même deux, j'ai la chance d'en avoir deux. Celle-là, c'est la version disco, euh, qui permet de, de programmer ce petit microcontrôleur et communiquer avec la puce pour, pour faire du, des communications. Laura. Euh, et, euh, et donc, j'avais déjà, je vous en ai déjà parlé, j'avais le, le petit Bastone mobile avec le, le clavier Feather en couleur, ouais, cette version en couleur. Je respecte aucune nomenclature, je fais juste joli. Euh, et donc, ben, en attendant, cet adaptateur pour bosser avec le device que je vais vous montrer juste derrière, il euh, y a Kong Dino qui, qui est parti tout seul, c'est même pas ma faute, hein. est, il est parti tout seul sur l'idée d'utiliser euh, ce, ce Bass One qui est au format Fiser avec éventuellement une PyGamer. Euh, la PyGamer, hop hop hop, voilà, vous vous rappelez. On a parlé plusieurs fois ici. De face, c'est bien. Et vu arrière, vous avez un connecteur au format Feather. Donc l'idée, ce sera hop, de venir faire un petit montage euh, dans ce goût-là. Voilà, de connecter à l'arrière, de communiquer euh, en port série avec le BastOne qu'on mettra. Euh, avec un firmware un peu comme le firmware Firmata, qui permet de faire pas mal de choses avec une Arduino, enfin, la même idée, de lui, de, de lui donner des, des consignes par, par le port série pour bah, que la paille gamer serve un petit peu d'écran de, de contrôle. Je ne sais pas en termes d'autonomie ce que ça va donner, honnêtement la batterie est très petite, quand il n'a tu verras dessus, c'est pas... Mais bon, ça permet d'avoir un, un affichage des boutons, ça permet de, de peut-être faire un, un deuxième, une autre version de Bast mobile. Euh, j'ai commencé à regarder euh, le, le code, le code côté Bastone, savoir un petit peu euh, comment j'aurais pu m'en sortir en sachant duno a quasiment tout fait. Il faut juste regarder la, la partie adaptation et surtout l'appel depuis euh, circuit de Python. J'essaye de, de faire un peu des choses euh, avant que Duno reçoive sa paille gamer parce que ça va aller vite, et vite après. Donc voilà, j'ai relancé cela de projet. J'en ai d'autres qui, 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 qui mûrissent un peu là. Euh, Toujours avec du Python évidemment. Je suis un peu triste ce que j'aurais voulu faire, je vous en avais parlé l'autre fois. Ça n'a pas l'air de vouloir se débloquer euh, chez Deezer. Ils ont juste un SDK en JavaScript et il n'y a pas de SDK dans d'autres langages. J'en aurais voulu un soit en Go, soit en Python, il n'y a toujours pas. Donc on verra, on verra si je me lance dans une archie un peu tordue avec, euh, avec une partie qui fera les appels JavaScript qui interagira avec une partie Python pour tout le reste de ce que j'avais envie d'essayer. On verra ce que ça donne. Euh, J'essaie de surveiller en même temps que vous ne soyez pas déjà en mode Kung Fu. Je me demande si la machine n'allait pas déjà un peu... Non, pas trop. Je ferai souffler le ventilo s'il faut. Et euh, sans plus attendre, hop, on va commencer avec ce petit lien. Ça m'a fait, fait sourire. Il se trouve que l'utilisateur, donc e sur Twitter a posté ce qui a été sa première distribution Linux et euh, le hasard faisant bien les choses. Alors il n'y a pas de version, hein, moi, je sais pas s'il y en a eu plusieurs, mais en tout cas cette boîte de quêtes CD me parle et je pense que ça a été ma première distribution. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à installer depuis les CD, hein, y avait pas de, moi j'avais pas de connexion au réseau, euh, j'avais un accès par, par l'université, mais euh, c'était un peu rock'n'roll, je ramenais des packages par... Euh, par disquette en allant récupérer ça à la fac mais c'était pas gagné salut monsieur Philippe donc voilà je voulais vous montrer ce petit tweet parce que moi ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça c'était euh, un c'était un bon souvenir pour moi alors il y en a d'autres qui ont mis d'autres versions je sais pas si euh, ça correspond aux différentes années mais euh, voilà moi j'ai trouvé ça marrant ça c'était la première chose que je voulais vous montrer la seconde hop euh, je vais la mettre ici dans le chat aussi euh, on avait fait quelques quelques petits lives là avec euh, game builder garage et euh, j'avais un peu laissé tomber hein, évidemment vous me connaissez j'ai toujours trop de projets ou pas assez je sais pas comment on doit tourner ça pas assez d'énergie ou trop je sais pas salut là et euh, ouais il y a des gens qui font quand même des choses euh, que je trouve particulièrement impressionnantes en, en partant du set de, de d'outils et de et d'API qu'il y a dans, dans Game Builder Garage et je trouve ça particulièrement impressionnant euh, donc je trouve que j'ai là je vous ai mis un tweet de alors je sais pas je suis désolé si je prononce pas comme il faut sorry if I didn't pronounce your uh, studio name correctly c'est Jay Studio et euh, il se trouve que je suivais alors je suis sur Twitter mais euh, je suis aussi Oh trop chouette it it was just just the moment I tried to say your name and you appeared in the chat. that's wonderful. Welcome. Of course I will continue in French but uh, I'm so happy to see you here. Uh, it, it was just the, the the first thing I wanted to share about uh, jbG and and, and you. So, uh, I I will continue in French, but uh, do not hesitate if you have any questions. Uh, what I just said is that uh, I left a little bit the JBG, but uh, it's maybe an opportunity for me to uh, to jump in once again and to try new projects with it. And uh, I just said that uh, it's wonderful to see the complexity of the projects uh, people are doing with what I found a little bit. Uh, Constrained, but in fact, it's uh, it's really uh, it's really powerful when people uh, take time to do that. So uh, the last thing I will explain to uh, to the audience is uh, that uh, they may be interested also in your Twitch. Oh, I didn't mention your Twitch. It's your uh, YouTube channel, but it's okay. From the from the, the, the tweet uh, they can find also uh, your twitch channel so i'm a little bit laggy with my computer now it didn't like uh, when it's hot. donc pour tout le monde c'est la c'est la, euh, la chaîne youtube uh, de JStudio. studio il y a pas mal de petites choses sympathiques à aller voir voilà voilà et je vais aussi vous mettre le lien vers la chaîne Twitch, puisque c'est par la chaîne Twitch que j'ai que découvert Jay. Hop, je vais vous la donner tout de suite. On va y aller en même temps. Tac. On le Mac a très chaud déjà. Hein. Ça, ça doit commencer à ramer. Je vais essayer de vous le copier dans le chat si, hop, si ça veut bien. Ouais, J'ai toute la machine qui rame. C'est dommage. J'avais plein de choses à vous dire aujourd'hui et évidemment le Mac a décidé de, de faire des histoires. Je vais mettre le ventilou un peu costaud là pour essayer de s'en sortir. Là. Voilà. Trop bien, on a un super invité et le Mac décide de ramer. Donc vous allez entendre un petit peu le ventilo derrière, mais c'est pas très grave. Euh, je tenais à vous montrer les deux. Euh, les ressources qui mènent chez Jay, qui, euh, qui programme en live avec, euh, avec un de ses amis. Euh, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai vu. Enfin, ils sont souvent en tandem. Et euh, c'est assez rigolo de voir euh, bah, tout ce qu'on peut arriver à faire finalement avec. Euh avec ce produit qui paraît au départ pas ultra ultra euh, complexe, mais, euh, mais en fait on peut aller vachement loin donc euh, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous conseille. C'est vraiment sympa. Voilà, kiosque arrive à la bourre juste pour euh, le moment où euh, le Mac va se mettre à ramer, donc euh, n'est pas de regret. <laughs> euh, Est-ce que je vais réussir à vous montrer euh, comment je vais faire Hop, je vais essayer de vous partager. Euh, hop, on va changer de caméra. il Faut que je refasse un peu mon stream deck. Euh, ta -ta -la -ta -la. Non, c'est pas là ce que je cherche, évidemment. On va passer par là, ça sera plus simple. Et... Euh... Non plus, non plus. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Donc on va faire comme ça. Et puis je vais vous mettre. Hop. On va garder un peu le chat. Ça devrait suffire pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Évidemment, il est pas dans le bon mode, mais ça j'ai l'habitude. J'essaie de pas vous casser les oreilles en même temps. Hop, je déplace le micro. Alors, je ne sais plus s'il faut que je le change ou s'il faut que je le relance. Je ne suis pas parti, je suis toujours là. Hop Voilà. C'est mieux, non Hop Quand ça décide que ça veut pas, ça veut pas, évidemment. Ah oh, putain je vais le verrouiller deux fois. Un peu de carmouse, ça vous fait plaisir hmm Voilà, on va y arriver. On va y arriver, mais ça bascule évidemment. Oh un dev term. Eh oui Oh putain, j'en ai marre, je suis en train de faire n'importe quoi là. C'est bon là Yes You're welcome, Jay. Anytime. I will try to uh, to come during one uh, of your uh, live soon, and hopefully, uh, I will get back to JBG and uh, I will do uh, some uh, some live stuff soon. It's uh, the device you see. It's called the DevTerm. I can explain uh, a bit later if you want. Uh, I, I I will I will show something linked to uh, game development. Alors pour tout le monde, hop, je vais essayer de bouger la caméra même si on s'en fout de fois en ma tête. Voilà, comme ça vous voyez à peu près. J'ai reçu, euh, il y a déjà quelques temps, je vous l'avais dit, euh, j'espère que vous m'entendez toujours bien à part le micro qui prend un peu le, le ventilo, hein, j'espère que ça va aller quand même. Ouais, je peux te faire le calme en anglais si tu veux, Goose, mais ça dépend des gens qui viennent, moi bon, il n'y a pas de souci, hein. s'il si y a des anglophones je peux adapter, il faut calmer pour tout le monde. Euh, J'ai donc reçu le, le, le cool term il y a déjà quelques temps, je vous en avais. Le dev-term de chez Clockwork. Je vous mettrai le lien sur le produit, même si pour l'instant je ne suis pas trop en faveur de, de, de faire de la promo de leurs produits, ce n'est pas qu'ils soient mauvais, mais euh, je pense qu'ils sont un peu débordés et euh, ils gèrent pas super bien le fait d'être débordés. Bref, on ne va pas y épiloguer, mais euh, j'ai commandé le produit et euh, soi-disant c'était marqué en petit, c'est apparu après, je ne vous refais pas l'histoire, euh, livraison 6 euh, semaines après, bref. Il est arrivé, il ne fonctionnait pas, je vais vous montrer euh, tout de suite après pourquoi il ne fonctionnait pas. Et le SAV était super sympa par contre, hein, donc ils ont bien géré derrière, pas de souci. En véritable professionnel, euh, j'aurais dû lancer la machine avant de vous la montrer, mais évidemment, faut pas déconner. Oh, customer service is, uh, is quite okay in fact. It's just the, the commercial aspect that is not good. Customer service is quite good. Oui, c'est du A06. C'est trop puissant pour toi. Bah en fait, euh, parmi les choses que j'avais mal euh, mal lu évidemment, mais ça c'était de ma faute. Au début, j'ai cru que j'avais choisi un, avec un fonctionnement avec un module euh, Raspberry Pi. Donc euh, ça aurait été plus sympa. Euh, pour répondre à Conduino, je n'ai pas payé les douanes sur le, la pièce de SAV pour l'instant. Parce que quand j'ai reçu euh, le device, j'ai reçu les frais de douane par courrier genre euh, trois semaines après. Donc, euh... donc là c'est j'ai reçu ça cette... enfin, fin de semaine dernière. Donc euh, on n'est pas encore sauvé. Euh... Bon, on n'a pas le cul sorti des ronces, comme on dit. Euh, donc là, j'ai euh, remis euh, au passage dans mes essais. J'avais essayé d'autres distributions. C'est la distribution de base d'une Debian, une ARM pour être précis. Euh, qui malheureusement, euh, ils n'ont pas fait la contribution à ARM Debian direct. Ils ont une espèce de patching qui crée l'image. Enfin bref, ça fonctionne, mais euh, on n'est pas sur la sur la streamline, ce qui est un peu dommage. Et l'autre carte que j'ai paumé évidemment euh, durant toutes ces aventures, c'est une euh, une Manjaro tombe super bien là-dessus aussi donc euh, je pense que je me ferai plaisir et que je, je me referai une carte avec une manjaro parce que parce que ça vaut le coup je trouve c'est vraiment pas mal du tout euh, Hop, donc là il y a le petit euh, voyez au milieu là un petit, euh, le, petit le petit bitonio là donc c'est un, un trackpad en fait euh, il y a quand même les boutons ici gauche droite et euh, milieu pour simuler la souris complète mais vous pouvez cliquer déjà dessus euh, et euh, hop donc, on a une, une distrib complète. C'est pas évident de vous montrer ce qu'il y a sur l'écran. C'est pas facile à filmer un écran comme ça. Voilà, c'est le menu, le menu classique. Vous allez être obligé de me croire sur parole. J'ai pas encore trouvé comment récupérer le flux, le flux HDMI. J'essaierai de travailler ça. C'est pas trop prévu. Le problème du A06, c'est pas que ce soit pas puissant, hein. au contraire, c'est très puissant, mais ça sort de ce que je connais un peu du monde Raspberry, et euh, du coup, euh, toutes les magouilles que je connais sur Raspberry, elles ne sont pas toutes applicables, donc, euh, donc je n'ai pas pu m'en sortir comme ça. Donc l'idée, c'est de l'utiliser avec euh, un, un device en USB. Il y a des ports ici, hein. vous avez euh, un USB classique, un USB-C, euh, ici. Ah, bah ici je suis bête, voilà, voilà. Je, je, je dis comment je vais faire, je vais rien faire du tout. Il y a déjà une prise micro HDMI, donc euh, j'essaierai de vous faire ça, euh, je vous ferai d'autres lives avec, et je récupérerai le flux HDMI, ce sera plus propre. Et de l'autre côté, deux autres ports, euh, voilà, deux autres ports USB, je vous montrerai de toute façon à l'intérieur. Et ici, un port que je n'utilise pas et qui faisait partie des choses qui m'agaçaient, c'est qu'ici on peut venir plugger une espèce d'imprimante thermique, donc j'ai non seulement pas l'usage. Mais je trouve que c'est du pur gaspillage. Alors déjà, c'est pas un achat ultra utile, hein, vous me connaissez, mais là, c'est vraiment du gaspillage. Ça m'a saoulé, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Euh, et ce que je voulais vous montrer, parce que j'ai quand même fait, j'ai eu le temps de faire quand même un truc avec, à part cette histoire de programmation. Donc j'ai Python, j'ai tout ce qu'il faut dessus, hein, ça marche parfaitement. Et hop, ce que je me suis empressé, parce que je m'étais renseigné avant, euh, d'installer évidemment c'est pas là. Euh, hop. Si c'est là pourtant. Hop. Je vais redresser l'écran un hein, instant. Ah, me dites pas que j'ai fait une boulette, si ce serait pas drôle sinon. J'ai installé Pico 8 en fait dessus. Qui tourne plutôt bien. Vous savez Pico 8, cette petite fantasy console. Hmm. Alors là je vous cache pas que bah, la manipulation là, de la souris c'est pas ce qui est de plus sympa. Euh, où est-ce que je l'ai foutu Pourtant je crois que je l'avais mis là. Euh, J'ai un binaire pico pico8, mais je pense pas que ça soit le bon si je me rappelle bien. Alors clavier QWERTY c'est pour moi l'occasion de refaire un peu d'utilisation de, de QWERTY donc, Non, non c'est pas exécutable donc c'est pas celui-là. Est-ce que je l'avais mis dans Download peut-être? Probable. Ouais c'est là. Donc euh, comme vous pouvez le constater, là, bon, là je suis un peu en équilibre aussi, hein, je peux essayer de le poser à plat pour l'utiliser. Euh, c'est utilisable, hein. très sincèrement, euh, je pensais que le clavier ça serait pire. C'est pas le meilleur des petits claviers que j'ai eu. Mais, mais c'est franchement utilisable. Il euh, y en a qui se plaignent des boutons et des flèches, mais je les ai pas assez utilisés pour l'instant. Donc je ne peux pas conclure définitivement. Je vous en reparlerai plus tard à l'usage. Euh, le pointeur marche plutôt bien, même si je ne suis pas toujours à droite avec. Et surtout, les souris et clavier externes fonctionnent. Donc euh, ça va aller. Euh, faut que je regarde ce que je fais en même temps. Hop. Donc ça demande quand même de se réhabituer. Au QWERTY que j'utilise pas très souvent. Voilà. Donc là, on se retrouve avec, euh, bah avec la console Pico 8. Hein. Il faut vraiment que je partage le HDMI parce que j'arrive pas à avoir une image. Euh... Ah, le clavier du confiseur, il est plus gros. Hein. Regarde ma main. Je pense que le clavier du confiseur est quand même plus grand que ça, non enfin, Vous me direz, hein, mais. Euh... Euh, et ça, je vous l'avais montré dans la version. Euh... L'autre jour, je vous ai montré la version euh, pardon, euh, web. Mais euh, ça reste le même euh, produit. Voilà. Je vais quand même vous le faire tourner. Voilà. Et euh, on va faire tourner. Euh... Ah ben, un avec le... Donc, rappelez-vous, hein, l'ode et puis le nom du programme que vous voulez faire tourner. Il euh, y en a un qui fait appel au... Voilà. Et après on fait run. Voilà. Et donc vous voyez, je dirige une espèce de petit chien C'est mignon. Et c'est... Enfin euh, franchement... Euh... hop, faut vraiment que je vous partage comme il faut. Parce que là vous devez pas avoir grand chose mes pauvres. Et je peux pas faire la mise au point mieux que ça, C'est l'écran, les reflets, là c'est trop. Je vous partagerai le, le HDMI. Mais voilà Toujours est-il que ben ça fonctionne, j'en suis, suis très content. Euh, on, va, on va sortir de là. Euh, C'est shutdown, si je me rappelle bien. Hop Voilà. Et je vais vous montrer la suite, mais je vais quand même par précaution, je vais quand même l'éteindre proprement. Hop donc il y a pas mal de choses là sur lesquelles je m'interroge encore, hein. je, je vous tiendrai bien sûr au courant au fur et à mesure, euh, notamment euh, savoir s'il y a une gestion un peu d'économie d'écran pour, euh, par exemple, le faire tourner quand je tourne avec une session SSH pour mettre au point un programme, je n'ai pas besoin tout le temps d'afficher l'écran, donc voir si je peux l'éteindre temporairement, enfin ce genre de choses. Alors, je l'ai éteint, là la, la prise USB que j'utilisais, euh, elle peut servir de charge pour les batteries les batteries, euh, batteries c'est euh... alors c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard mais qui est très courante de partout c'est les, les modules 1860 euh, pardon 18650 comme des grosses piles mais chargeables qui sont souvent ce que vous trouvez en fait à l'intérieur de, de vos batteries plus grosses il, y a, il y a pas mal de, de compagnies qui trichent avec ça euh... A la fois sa force et sa faiblesse, c'est le côté, euh, je vais pouvoir l'assembler euh, moi-même. Donc là, juste je pivote sur le côté, c'est plutôt bien pensé. Vous voyez, c'est juste, euh, on clipse à l'intérieur et on tourne pour verrouiller. Hop. Ça va, ça ne gêne pas trop le bruit du ventilo, c'est pas trop dégueulasse. Ensuite, on déclipse la façade avant. Voilà. Là sur les côtés j'ai des petits caches euh, qui risquent d'ailleurs de tomber, je vais les enlever. Pour les ports USB et puis la face avant avec le petit bouton on-off. Le clavier, euh, pour moi son point faible c'est le fait que, vous voyez, c'est juste des pogopins comme ça qui viennent se mettre en contact directement là. Donc ça pour moi c'est un point faible et à mon avis ça ne va pas durer longtemps. Dès que le plastique aura joué un peu dans tous les sens, le contact se fera mal. Euh, le produit en lui-même est intéressant, c'est-à-dire que euh, il a un hop, on le voit sur le côté, là si je fais comme ça la mise au point est suffisante, il a un port USB sur le côté qui, qui est pas utilisé par euh, dans, dans ce mode là mais qui permet de le programmer et de le flasher et de faire un certain nombre de choses et de l'utiliser. Je l'ai déjà testé, euh, je ai déjà testé avec, le, avec le Mac en fait, hein, ça marche parfaitement, ça devient un clavier USB, tout ce qui est plus euh, tout ce qui est plus classique. Donc voilà. Hop. Et ensuite, donc là il y a le module écran euh, hop, qui est pas, pas, pas vide, hein, qui est pas mal. Hein. Je vais déclipser la partie basse, voilà. Déclipse le cache arrière, voilà. Et donc voilà la bête. Donc euh, là c'est ici qu'on vient brancher le module dont je ne veux pas entendre parler parce que ça me saoule d'imprimante. Euh, ici, c'est une carte fille sur le côté qui permet de gérer euh, un certain nombre de, de, de petites additions. Il euh, y a um, un module caméra qui est plugable, mais j'ai n'ai pas regardé si c'était compatible avec les caméras euh, Raspberry. J'aurais préféré à la limite la caméra que tout ce bazar d'imprimantes. Je vais, je vais réfléchir comment on fait tourner ça. Le montage, c'est là où c'est la force et la faiblesse c'est que à 100 balles, c'était un super produit. Et là, je ne me rappelle plus le prix exact. Je vous mettrai, mais c est, c est, je crois que c'est 350 ou un truc comme ça. C'est exagéré. Les fixations, c'est ce genre de choses. C'est juste des pièces plastiques que je viens clipser là et que je serre. Donc euh, l'assemblage est quand même pas top. Ici, vous avez un port là, qui vient se brancher pour la, la carte fille. Ici, les, les deux séries de, de brochage, pareil, hein, c'est du contact. Donc ça se clipse légèrement quand même cela par rapport aux pogopins du clavier. Pour la partie euh, alimentation, avec euh, l'alimentation est quand même bien faite. Il y, a, il y a des circuits de contrôle dessus, il y a des circuits de charge. C'est plutôt bien fait. Hein. Et puis ici, on a donc tout ce qui se trouve dessous. Je peux vous montrer d'ailleurs ce que c'est. Voilà, précisément. C'est cette pièce qui était défectueuse à l'origine, hein, qui est en fait, alors pardon, dans ce sens si je la mets dans le même sens que là, euh, dans lequel on vient enficher le. C'est l'équivalent d'un compute module Raspberry, mais avec un, un autre processeur ARM. Hein, c'est le module A06. J'ai strictement fait aucune, aucune comparaison technique entre les deux pour l'instant, mais ça, ça, ça fonctionne très bien. Qui vient se clipser avec euh, dessus directement un, un radiateur pour un refroidissement passif suffisant hein, jusque-là. Euh, vous avez ici, euh, donc sur la carte mère qui est dessous, vous avez aussi la, la connectique qui permet de brancher l'écran, la nappe de l'écran. Euh, et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre euh, bah Ici, sur la face avant, c'est aussi cette carte fille qui permet d'avoir l'accès à la, à la TFT card. Euh, ici euh, j'ai pas trouvé chez eux mais euh, en théorie il y a l'accès au, au, aux broches GPIO euh, pareil par une nappe mais euh, si on n'a pas la nappe qui va avec je sais pas vers quoi on va. Donc je vais essayer de trouver chez eux ce qu'ils ont à disposition. Ça serait intéressant d'avoir une nappe. Pareil que la nappe sorte à la place de cette espèce de, de truc d'imprimante là que je vais dégager, je pense. Ça permettrait d'avoir accès au GPIO, ça pourrait être pas mal. Euh, donc voilà, là, les ports USB que je vous ai présentés tout à l'heure, le micro HDMI, euh, ici, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, ici, c'est parce qu'il y a une sortie audio là aussi, j'ai pas, pas testé, je l'ai testé, il euh, y a un petit, euh, un petit buzzer qui suffit pour, pour Pico 8 par exemple. Donc voilà, euh, là c'est, pardon, oublié, c'est le, le raccord ici pour une antenne Wi-Fi qui se trouve là sur le côté, tout simplement. Et je pense qu'on a fait. Le tour. Donc c'est à la fois sympa hein, ce côté euh, vous l'assemblez, mais euh, la notice est assez complète, mais euh, j'en aurais attendu quand même euh, plus de leur part. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit, euh, ça soit le, le top du top. Euh, je vais vous remettre malgré tout le lien vers le produit qu'on finisse d'en discuter. Et je vais couper ici. Ça fera une source caméra en moins. Ça évitera un petit peu de consommation du mac pour le faire chauffer un petit peu moins donc voilà le dev terme euh, avec le kit à 0,6 euh, on n'a qu'un seul choix hein, c'est 4 giga donc ça fait quand même 339 dollars mais euh, il faut compter euh, euh, je crois que c'était 80 euros de taxes en plus quand même oui le connecteur, euh, je suis d'accord congue d'uno, le, le connecteur imprimante c'est un port système, mais c'est un port système qui est déjà dérivé sur une carte fille, donc je pense pas que l'accès soit, soit le même et soit, soit aussi bon. Enfin bref. On n'en est pas là, hein, loin de là. Euh, le Mac a l'air de s'en sortir, je vais essayer de... Je suis d'autant plus désolé que après quand je quand je récupère la vidéo pour aller sur... Euh... Mon montage et la mettre sur YouTube, je, je trouve que c'est assez, assez crado quand il y a des, des bavures de son. Donc voilà, je trouve que honnêtement, à ce prix-là, on, on, on devrait avoir euh, bah, un device prêt à fonctionner avec un, un vrai, un vrai euh, assemblage. <coughs> la, la bonne idée des, des pièces plastiques qui assemblent, c'est juste pour aller vite et vite quoi. C'est c'est découpé à la découpe laser et puis terminé quoi. On a, au début, on récupère des pièces en plastique dans le kit. Il faut euh, Nettoyer les bavures comme sur une maquette en plastique, c'est pas franchement c'est exagéré. 339 dollars pour pour ça, c'est un petit peu exagéré quand même. Je dis pas qu'il y a pas de travail, attention, hein. je suis persuadé que leur euh, leur carte elle est capable d'accueillir plusieurs modules. Il y a un boulot d'électronique de dingue, il y, a, il y a plein de choses superbes, mais euh, mais non non non, euh, le, le niveau de finition pour ce prix là, euh, c'est pas c'est pas tout à fait correct quand même. C'est un peu cher pour ce que c'est. Maintenant je l'ai, euh, ça va fonctionner. Donc le, le A6, euh, oui effectivement c'est un, un ARM64, un dual core à 72, plus un quad core à 53, plus euh, une puce graphique euh, Mali euh, T864 avec 4Go de RAM. Donc il y, y a quand même de quoi, euh, de quoi faire tourner pas mal de choses avec ça. Hein. Euh, je, je vais faire un petit peu de Pico 8 pour le plaisir avec, parce que ça tourne très bien dessus. Euh, mais même, euh, je ne sais pas, du Pygame, je ne je sais pas, je vais voir, je vais, on, on va s'amuser. Mais surtout, j'attends mon, mon petit connecteur pour faire du, du LoRa. Euh, ça, ça fera une machine de plus à la maison avec du LoRa. J'ai l'intention d'en faire un petit, peu, un petit peu plus sérieusement pour creuser tout ce qu'on peut faire avec. Parce que c'est quand, euh, quand même bien sympathique de faire un peu de com' LoRa avec tous nos devices. Euh, J'espère que j'ai pas raté de questions. N'hésitez pas à les remettre si, euh, si j'en ai, euh, si ai zappé. Donc c'était euh, voilà, l'essentiel de ce que je voulais vous, vous montrer aujourd'hui. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, dans les derniers trucs, c'était euh, bien ça. Euh, voilà, donc je vous, je vous conseille une fois de plus d'aller jeter un oeil si euh, Game Builder Garage vous avait intéressé, euh, d'aller voir la chaîne de Jay. C'est vraiment euh, bluffant. J'ai encore plein d'autres petits liens, mais je, je me le garde pour les, les jours de disette où j'ai pas d'idée pour faire l'émission. <laughs> Donc voilà, voilà. Je pense que j'ai fait mon tour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous, a, ça vous a intéressé. Donc euh, oui, att attendez-vous à ce que je refasse un peu de... Enfin, à chaque fois que je dis ça, je ne devrais pas le dire en fait. J'allais dire attendez-vous à avoir plus de dev-termes dans les prochains lives. Et c'est ce qui aurait dû se passer avec Garam Garage Builder... Uh... Game, Game Builder Garage. Je sais jamais dans quel ordre c'est. GBG, mais ouais. Euh, et à chaque fois je pars sur autre chose, évidemment. Sinon, pas, c'est pas marrant. Voilà pour moi, s'il y en a qui ont des questions au passage. J'essaie de me creuser la tête si je ne devais pas dire quelque chose autre au passage. Je ne me rappelle plus. Si je ne le note pas, je l'oublie, évidemment, avec ma tête percée. Mais ce sera déjà pas mal. Je vais couper l'émission et ça va me revenir. Ça va me... Ça va me soulayer. Ça va me Vite fait, bien fait. Je vais essayer de rapidement voir euh, si on a... Ouais, sur ce créneau horaire, c'est un peu toujours les mêmes. Ouais, je crois qu'on les a à peu près tous vus. Ah, peut-être pas lui, je ne sais pas qui c'est. Alors, du mixeur, qu'est-ce qu'il dit le du mixeur Je vais voir le souci. Je ne sais pas si on n'était pas déjà allé. Hop. Alors, je vais deux secondes écouter avant de vous envoyer pour terminer l'émission chez cette personne. J'ai fait des nœuds avec mon casque, sinon c'est pas marrant. Hop. Je pense qu'on n'est jamais allé chez lui. On va faire un petit raid chez lui pour terminer. Puis vous me direz ce que vous en pensez. C'était sympa l'autre fois aussi, euh, la poterie, mais euh, c'était différent. faut changer un peu de temps en temps. Hop. Toujours ce copier-coller qui déconne voilà, au clavier avec OBS. Et bien, je vous souhaite une, une excellente journée. On va se quitter en lançant un raid sur la chaîne de Mundrakor qui développe un jeu en C Sharp je pense si j'ai bien vu je sais pas quel est le framework pour lui poser la question. Donc voilà. Euh, je ne sais pas si Jay est resté parmi nous. If you are still here Jay. Uh, thank you for coming here and see you very soon. Et donc à tout le monde, ben je vous souhaite une excellente journée. On va se quitter là-dessus et puis ben je vais envoyer le raid. et euh, des bisous à tous. Prenez soin de vous. À très bientôt.